Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors là j'ai mis mon anorak et puis mon parapluie parce qu'on va parler du déluge. Donc le déluge, comment ça se passe chez notre beau vieil Ovid? Le déluge, en fait, Jupiter donc décide de faire pleuvoir énormément d'eau sur Terre et il demande à son frère, donc Poséidon dans la mythologie grecque, Neptune dans la mythologie romaine, il demande de faire monter les rivières, de faire beaucoup d'eau qui arrive sur Terre, donc la mer qui monte, des tsunamis, etc., pour vraiment couler tout le monde entier. Donc tout est submergé, la mer ensevelit tout, enfin la mer recouvre tout, y compris les montagnes, sauf une montagne qui était en dehors de ça, qui est le mont Parnasse. Il y a juste le sommet qui jaillit et qui est en sécurité. Et donc, sur ce mont Parnasse, il y a un couple qui s'appelle Deucalion et Pyrrha qui accostent. Alors, ces deux-là, ce sont des cousins, mais ils sont aussi en couple. C'est-à-dire que Deucalion, c'est le fils de Prométhée, Pyrrha, c'est la fille d'Épiméthée, et ces deux-là sont donc en couple ensemble. Et bah, tout le monde meurt, hein, sauf eux qui restent là. Alors ils sont très très pieux, c'est des gens très très bons, très très gentils, donc Jupiter décide de les épargner. Et puis, une fois que tout le monde est coulé, donc Jupiter décide d'arrêter la pluie, Neptune arrête de faire couler l'eau, et petit à petit, la mer reprend l'endroit où elle était. Et donc, Deucalion et Pyrrha, ils sont un peu décontenancés parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Et ils se disent, mais comment on va faire? On n'est plus que tous les deux. On peut très bien essayer de faire des enfants, mais je veux dire, on n'est que tous les deux. Et puis là, ils tombent sur un temple. Donc ils vont dans ce temple et puis ils prient la déesse. Ils sont très très pieux. Et là, ils reçoivent une prophétie qui leur demande d'enterrer les os de leur grand-mère pour que les hommes reparaissent. Alors là, Pyrrha, elle dit à Deucalion, non mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. C'est pas respectueux pour nos parents, pour nos grands-parents, on peut pas se permettre de faire ça. Deucalion, il réfléchit et dit, ouais, t'as raison, la déesse, elle a pas pu nous dire ça. À mon avis, ce qu'elle a dit, c'est qu'on doit prendre les eaux de la terre, puisque c'est elle notre grande-mère, en fait, c'est la terre. Donc on prend les eaux de la terre, et les eaux de la terre, c'est les cailloux. Donc, ils prennent les cailloux, ils les mettent par terre, et eux, ils avancent au fur et à mesure, ils jettent les cailloux derrière eux, et puis, qu'arrive-t-il? Eh ben, les cailloux, d'un seul coup, se transforment en humains. Et oui, des nouveaux humains apparaissent. Donc ça, c'est super, voilà, les humains sont de retour. Alors, pour ce qui concerne des animaux, ils réapparaissent spontanément de la terre, c'est la terre elle-même qui les refabrique grâce au soleil et puis à la gadoue qui restait. Et notamment, il y a un énorme, donc tous les animaux arrivent, sauf qu'il y a un énorme monstre qui apparaît aussi, c'est Python. Le python, et ils sont bien embêtés, donc il est vraiment très dangereux, mais heureusement Apollon, le dieu Apollon, réussit à vaincre ce python en lui envoyant des flèches, et depuis il a mis en place une fête en son honneur qui s'appelle les fêtes pythiques, dans lequel on célèbre par des exploits sportifs et des exploits aussi artistiques, on célèbre Apollon. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette histoire vous a plu, et puis on se retrouve demain pour la suite, on va parler d'Apollon. À bientôt.